Bon mercredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tellement. Elle n'a que 20 ans. Notre amie, Marie-Jeanne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bon mois de juillet, mois de vacances. Et je vous souhaite du repos. Et donc, je continue sur ma lancée de la semaine dernière. J'avais proposé de vous présenter quelques livres au cours de l'été pour s'inspirer. Des fois, on a un peu de temps pour lire, et, ou bien ça donne des idées de cadeaux ou de choses comme ça. Et donc, je vous présente ce matin deux livres qui sont du même auteur. Donc, le premier s'appelle « Toute personne est une histoire sacrée » de Jean Vanier. Donc, c'est un saint homme, dirais-je. Il n'est pas encore saint, mais à mon avis, un jour, il le sera. Un grand homme de tendresse qui a marqué notre époque et qui est décédé récemment. Donc, vous avez sûrement entendu parler de lui. Et c'est un homme qui a une réflexion sur l'être humain, sur la dignité humaine qui est hors du commun. Ayant fondé l'Arche, donc qui était une maison qui accueille des personnes avec des handicaps mentaux ou intellectuels, des handicaps physiques, tout ça. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup côtoyé ces gens et qui a développé des réflexions sur l'être humain qui sont beaucoup plus profondes, je pense, que certains, parce qu'il côtoyait des gens qui avaient des grandes limites, des gens avec des murs, comme il en parle dans « Toute personne est une histoire sacrée », il y a vraiment toute une ligne directrice de comment l'être humain se développe, comment l'être humain peut être prisonnier parfois de ses limites, de ses murs qui se créent autour de lui. Et en même temps, il parle aussi de toutes les étapes de vie qui forment un être humain. Et donc, je pense que c'est un peu comme l'héritage de Jean Vanier que ce livre, et moi, j'aime beaucoup le titre « Toute personne est une histoire sacrée ». Il y a quelque chose de Dieu, justement, qui vient épouser l'humanité dans ce livre. Et donc, ce qui est magnifique, c'est que ce n'est que du vrai et que du vécu. Donc, il y a une richesse de réflexion et de pensée. Et je pense que c'est quand même bien séparé, c'est beaucoup structuré. Donc, les étapes de la vie, la croissance humaine, le milieu humain, les murs, justement. Donc, il y a vraiment toute cette structure qui permet, au fil de la lecture, de justement cibler certains points. Et des fois, on peut aller chercher juste des références pour quelque chose qui nous intéresse. Et donc, le deuxième livre est aussi de Jean Vanier, un peu plus récent, « Un cri se fait entendre ». Donc, deuxième titre qui m'a beaucoup parlé aussi. « Un cri se fait entendre », je trouve que ça résonnait beaucoup de justement cette souffrance. Et même cette souffrance à laquelle on est beaucoup confronté ces temps-ci dans les questions éthiques, dans les questions, peu importe, sur les histoires qui arrivent, sur des gens, des êtres humains. Et donc, « Un cri se fait entendre », je pense que c'est un livre qui parle plus justement du parcours de Jean Vanier, où il va plus expliquer de où sort tout son désir de s'occuper de ces gens-là, ce qu'il a fait dans la vie, comment les événements l'ont façonné. Et donc, voilà, je pense que ce sont des œuvres, je dirais, qui nous permettent de rencontrer cet homme de tendresse pour devenir, nous aussi, dans notre temps, des gens de tendresse. Bonne journée! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras
à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. La caravane de la victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charron sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chanson, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Prenons quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme c'est le mois de juillet, le mois d'été, c'est des mois toujours beaucoup plus difficiles. Alors, il n'y aura pas de cadeau du mois. Ce qu'on va vous demander, si c'est possible pour vous, de faire un don, mais sans rien attendre en retour, simplement afin que la parole de Dieu soit annoncée à travers la télévision et aussi à travers Internet. Et je vous rappelle, pour ceux qui peut-être écoutent pour la première fois, vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et imaginez, ça fait déjà plus de 24 ans que cette émission est diffusée. Alors, je vous donne tout de suite l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre grande générosité en cette période d'été. Comme je vous le disais tantôt, c'est vraiment des mois plus difficiles et quand on ne donne pas de cadeaux, c'est toujours un risque. Mais moi, je vous fais totalement confiance. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Vous pouvez également faire votre don par carte de crédit, par téléphone, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci d'avance, de tout cœur, de votre grande générosité, même s'il n'y a pas de cadeau du mois, parce que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est d'avoir cette émission depuis 24 ans, 7 jours par semaine. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup et vous aussi d'ailleurs. J'aime l'appeler le prêtre au cœur de tendresse. Il a été imaginé aumônier de la prison de Bordeaux pendant 38 ans, imaginez. On rejoint immédiatement le Père Jean. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête de saint Thomas apôtre. Je vous souhaite une bonne journée. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec les disciples quand Jésus était venu. Les autres lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. » Puis, jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. » Cesse d'être incrédule, mais sois croyant. Thomas dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Le texte de Saint Jean que nous venons de lire, c'est un texte écourté. Le texte est plus long. Le texte plus long dit qu'ils étaient les 11 disciples, les 11 apôtres sans Thomas. Et là, voilà qu'ils ont peur. C'est peu de temps après la mort de Jésus, ils ont peur des Juifs. Puis ils se sont verrouillés dans une maison parce qu'ils avaient peur que les Juifs viennent les attaquer. Mais là, voilà que Jésus leur apparaît. Mais Jésus les rassure. Il commence par leur dire « La paix soit avec vous ». Ça veut dire le shalom, la paix totale de l'être. Et en plus, il s'identifie, il leur montre ses plaies, il leur montre son côté.
Et là, voilà que Thomas, quand les autres lui ont dit que Jésus était apparu, il n'a pas cru. Il dit, moi, si je n'arrive pas à mettre les mains dans ses plaies, j'arriverai à jamais croire. C'est impossible. Mais voilà que 8 jours plus tard, il se retrouve encore dans cette maison, verrouillé encore, parce qu'ils ont peur. Mais là, Thomas est avec eux. Et là, Jésus apparaît. Il leur dit, la paix soit avec vous. Et là, c'est là qu'il s'adresse à Thomas pour leur dire, mets ta main dans mon côté, mets ta main dans mes mains. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, après que Thomas eut dit, mon Seigneur et mon Dieu. Vous savez, heureux ceux qui croient sans avoir vu, qui croient que le Christ est vivant ressuscité, et qui croient par le témoignage de la multitude d'hommes et de femmes depuis 2000 ans. Vous savez, on est un peu comme les disciples et comme Thomas. Hein? Nous sommes pognés dans des peurs. Les peurs intérieures, peur de Dieu, peur de la maladie. On est verrouillé dans nos peurs, c'est des prisons intérieures au fond. Et puis, Jésus, le Christ, nous rejoint dans ses peurs, dans ses angoisses. Il nous dit d'abord, la paix soit avec vous. Que votre cœur cesse de troubler et de craindre. C'est ça que Jésus nous dit. Calmez-vous les nerfs un peu, là. Je suis avec vous. Et puis, il se présente à nous de différentes façons, Jésus, vous savez. Il se présente par une personne qui va venir nous consoler. Il se présente dans la prière, dans sa parole, dans son Eucharistie, dans des événements. Vous savez, c'est ça qui est le drame, c'est que souvent, on n'est pas conscient de cette présence de Dieu. Lui se présente à nous comme il s'est présenté aux disciples, non pas dans son corps glorifié comme les disciples l'ont vu, mais dans des personnes, des événements, et de toute forme de façon, pour nous rejoindre dans ce qui nous empêche d'être heureux, d'être libres intérieurement. Et comme à Thomas, il va dire, parce qu'on nous arrive de douter, hein, on sent des fois, on a l'impression que Dieu n'est plus là, puis on commence à avoir des doutes sur plein de choses. Mais Jésus nous dit, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Puis il nous dit ceci, comme il l'a dit à Thomas, « Mets ta main dans les plaies de tous ceux, dans mes plaies de toutes ces souffrances du monde. Est-ce que tu peux essayer de me reconnaître dans ces personnes-là? Est-ce que tu peux arriver à m'aimer dans ces personnes-là? Est-ce que tu peux me soigner dans ces personnes-là? » C'est là qu'il se trouve, Jésus. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu. À chaque fois que tu le fais, c'est à moi que tu le fais. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que chacun et chacune de nous, on est un peu comme Thomas. Et les disciples aussi qui ont pu douter. Mais j'ai quelques petites questions à nous poser. Est-ce que je crois vraiment que le Christ est ressuscité? Beaucoup de gens, des chrétiens, croient dans la réincarnation. Est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que je peux le reconnaître dans toutes ces personnes qui m'entourent, particulièrement les petits, les pauvres? Est-ce que je peux le reconnaître? Est-ce que je suis assez joyeux pour arriver à pouvoir comprendre et témoigner par ma joie que Jésus est vraiment ressuscité? Voilà, c'est les grandes questions que je nous pose aujourd'hui. Et puis, de cette façon-là, on pourra dire au Seigneur, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Nous devons apprendre à choisir nos pensées comme on choisit nos vêtements chaque matin. C'est un pouvoir que nous pouvons cultiver. Ça, c'est tellement vrai. Il faut faire attention à ce qu'on pense ici, parce que quand on pense à certaines choses, même négatives, ça peut arriver. Et quand on pense à des choses positives, on les attire. À demain. Bye. Dieu a donné l'intelligence à l'être humain, au médecin, pour nous soigner. Puis lui, il soigne notre âme. Ça. Okay. Puis la médecine, elle ne peut pas aller ce que le bon Dieu va. Parce que c'est notre créateur, hein?